Coucou tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un test sur une application gratuite qui est sortie donc ce mardi 17 novembre sur Steam. C'est Anima Space Ring. Et donc, ce qui est bien avec cette application, c'est que de base c'était payant et là il sort une version gratuite avec plein de personnages. Bon, pas mal sont payants, mais on a pas mal de choses gratuites et le résultat, franchement, pour un truc gratuit, c'est vraiment bien. Je trouve ça très drôle. Bon, après, j'ai une caméra un peu pourrie, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à suivre les mouvements de ma bouche. Oh, pfff. C'est vraiment rigolo. Je sais qu'on peut changer le fond, donc je vais essayer de faire ça. Alors, donc on a plein de fonds différents. Ah, ça c'est trop bien. Je veux le vert, comme ça on va essayer de mettre un fond sur OBS. Ça, ça va être super. Imagine ça marche. Juste imagine ça marche. Là on voit que le logiciel a pas mal... Il a beaucoup de mal avec ma bouche, là je sais pas ce qu'il lui prend. Après c'est une bêta, hein, donc normalement si je me trompe pas, le logiciel va avoir pas mal de mises à jour. Parce que là niveau reconnaissance du visage, il a un peu de mal, je vous l'avoue. Je vais essayer de changer d'avatar. On va essayer de prendre peut-être quelque chose qui marche plus. Oh, Simba. Simba. J'ai l'impression que... Ouais, il a encore beaucoup de mal à reconnaître les mouvements A ou A, les mouvements de bouche. Mais pour un truc gratuit, franchement c'est assez cool, hein. Voilà, il suit bien le mouvement de la tête. Le clignement des yeux aussi, franchement. Bon, je m'attendais à un peu mieux, je vous l'avoue. D'ailleurs, si vous passez par là, les développeurs de Animaz, n'hésitez surtout pas à me sponsoriser pour que je fasse plus de vidéos dessus. Moi, franchement, j'adore ça. On va essayer de trouver un personnage assez cool. Et comme ça, après, on pourra mettre un fond vert. Oula, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très drôle, celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il y en a avec des mains? Avec des mains, ça pourrait être vraiment ça. Ah bah oui, il y en a. Il y en a avec des mains. On va essayer celui-là. Oh, ça va être rigolo. Coucou, qu'est-ce que t'as? Ah bah non, ça ne marche pas avec les mains. C'est dommage. Oh, par pitié, ne m'utilisez pas. Je suis trop jeune pour mourir. Ok, non, il faut vraiment que j'apprenne à faire du théâtre. Franchement, c'est cool, hein. Ça, en fait, les mouvements de tête, il n'y a aucun problème. Le vrai problème, c'est la bouche quand tu parles normalement. Ça, c'est un gros problème. J'ai l'impression qu'il reconnaît un peu mieux la bouche. Les yeux sont très très bien. A, B, C. Ah, un humain approche, cassez-vous. En vrai, ça peut être cool, ça, pour des courts-métrages. Franchement, ça me donne plein d'idées de vidéos. Et j'ai... Oh là là, j'ai trop de projets en tête. Ça pourrait être tellement bien. En plus, on a le fond vert. C'est génial. Oh. Franchement, ouais, ça va. Ça passe. Et le sandwich, je voulais essayer le sandwich. Ça va être bizarre, à mon avis. Parce que... T'as déjà vu un sandwich parler, toi? Pas moi. Pas moi. Pas moi. Oh, il est génial, celui-là. Si tu veux maigrir, il faudra faire attention avec moi. Évite les sauces. Mais plus de salade. Franchement, c'est marrant. Moi, je pense vraiment, je vais essayer de faire des trucs. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ah, mais je peux en acheter, j'en ai mis 500. Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Est-ce qu'on peut créer... En fait, ce qui serait intéressant, en fait, c'est de créer nous-mêmes nos avatars. On a une citrouille. Tu vas subir le courroux de Satan. Non, franchement, c'est vraiment cool. On va essayer un personnage, et là, cette fois, on essaiera le fond vert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les chiens, quoi. Genre, celui-là, par exemple. J'aime beaucoup les chiens. J'avais vu un streamer Pokémon, justement, qui avait un chien, comme ça. C'est vraiment le même, hein. J'adore celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup. Par contre, la caméra, pas ouf. Je pense vraiment que ce problème de bouche est dû à ma webcam de base que j'utilise sur mon ordinateur. Je pense que, normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Ou alors, c'est vraiment que c'est full bugué. Non, faire un vélociraptor. On va essayer des chapeaux. En chapeau, nous avons... Oh, mais c'est... Franchement, on a pas mal de choses. Ah, mais c'est... C'est génial. Excusez-moi, j'aime beaucoup trop. On peut changer la voix aussi. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo de mon décor et je vais le remplacer tout simplement avec le fond vert. On dirait vraiment que j'ai des mauvaises intentions avec ces visages, c'est fou. Wow, donc maintenant vous voyez du coup le résultat sur OBS, c'est assez cool, moi j'aime beaucoup. Coucou, c'est 8Game. Non, c'est vraiment marrant. On va essayer de changer de personnage encore. Je pense qu'en fouillant bien on peut trouver pas mal de choses. J'ai vraiment envie d'essayer le dinosaure. Bon allez. Oh, mais c'est... Ah, c'est génial.
Ça, c'est la porte de Pat Miner. Bon, ouais, toujours. Quand on parle, les mouvements de bouche ne suivent pas. Ça, c'est vraiment dommage. Je sais pas si c'est un lien avec ma caméra, sûrement. Si le logiciel peut m'envoyer une caméra. J'adore mes blagues. On va encore essayer de trouver autre chose. Hé, hey, il est trop bien celui-là! Waouh! Coucou! Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis obligé de bien articuler, de bien ouvrir ma bouche pour que tout le monde voit ma bouche s'ouvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, personnellement, j'ai adoré. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, je referai des vidéos sur ce logiciel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous abonnez, ben, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, au revoir. C'est trop bien.